On n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut. Un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. C'est quoi? Laisse tomber. Comme bruit. Rien. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passe rien du tout. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les autres barrières. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. C'était quoi ce bruit? Rien à signaler. Oui, à moi maintenant. Encore? J'en aurai le cœur net. Bravo, il faut qu'on parte, Amicia. Toujours rien. Rien du tout. Bon, laissons tomber. Au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Le seigneur. Mais pourquoi? Chut. Non, c'est pas le genre du capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil.
Attention, il y a un garde. Oui. Ça venait de là-bas, je crois. Y a rien. Faut que je me calme. J'ai entendu quelque chose par là. Vas-y, lentement, d'accord, pas de bruit. Non, rien. Y a rien du tout. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Hugo? Hugo? Tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire! Boo! Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Ils sont là. Entre nous, grand inquisiteur. Il va vraiment nous sauver de la morsure. Hé, les cochons! Sain. Cachez-vous, c'est dangereux. Mais il a besoin du seigneur Nicolas. Et de nous aussi. On a besoin de toi. C'est enrôlé pour ça. Ouais, c'est vrai. Ne doute pas, mon frère. Allez, y a rien ici. Quoi?
c'est quoi ce vacarme? Bon, c'était rien. Encore? J'y vais. Je veux en avoir le cœur net. Te laisse pas surprendre. Rien une fois de plus. Reprenez vos postes. Excellent. Hé, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Il a été mordu? Ouais. Et tu l'as touché? Non, tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'était quoi ce bruit? Je suis pas fou, j'ai entendu un truc. Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. J'ai entendu un truc. Je reviens. Surveille tes arrières. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Passe, je vais t'aider. D'accord. On ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête. Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. M'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh! Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont non ici. Il y en a une salle. Non, non. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous attendre. Allez, on continue. Oh, non. C'est la nuit qui les fait sortir. Ah, bien sûr, reste loin d'eux. Il nous faut du feu. On doit sortir de là. Amicia, il y a du feu en haut.
très juste. Encore cette boue. On passera pas. Massacrés, sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir. Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. Pousser ça. D'accord. Aide-moi à pousser. Oui, oui. Allez, on y est presque. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. On y est. Ohé, Laurentius! Chut, Hugo! Mais... Et si c'était pas Laurentius, hein? Tu y as pensé? Pardon. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre... On doit trouver le moyen d'entrer. Salut, toi. Oh, qu'est-ce que tu fais dehors envie. Par une nuit pareille, hein? Je suis désolée pour tes amis. C'est fermé. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Y a quelqu'un? Allons voir.
Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller... aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ignifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Oh non. Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les occuper. Oh, les gens vont. Bonne idée. Ah, mais ils prennent la lumière. La lanterne. Bon. Tu peux y aller. Voilà. Désolé. Bah, c'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous dire? Ça a été... un long trajet. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'ignifère. Comment on va faire? Il nous faudrait de la viande, morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Vas-y, monte. Ah, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ?
Mira. C'est horrible. En fait, t'es comme les autres. Hugo. On n'avait pas le choix. Venez, par ici. Le pauvre. Attention où vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand chimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Tu fais quoi? Un assemblage alchimique par dissolution des réactifs. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Oh ! Mira ! Oh non ! Non ! Y penser ! Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Oh ! Oh ! Ça fait du feu ! C'est moi qui ai fait ça ? J'ai vraiment fait de l'alchimie ? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Lance-le sur les braises. Il faut que ça ne m'explose pas au visage. Passe devant. Oh, il y en a beaucoup. Laurentius. Je vais dégager le chemin. Avant ça, je passe devant. D'accord. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute, pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non! Amicia, les rats! Plus de lumière dans la maison. Oh non! Hé, Lucas, attends, les allons... On doit partir, maintenant! Maître... Hé, arrête, on a besoin de toi. Regardez, le cheval! C'est le moment. Hugo? Lucas? Courez, on a besoin de ce cheval! Ils sont partout! Lucas! Je suis là! Il va où, ce chemin?